Solidarité public, guillemets, solidarité. Eh bien nous ce matin on a fait une distribution à l'hôpital de Béziers envers les usagers. On a eu un excellent accueil, ils nous ont dit continuez, on est avec vous. Si un jour on veut garder une qualité de soins correcte du début à la fin de sa vie, c'est aujourd'hui qu'il faut se battre. Tu n'as pas gueule pour Marisol. Je vous propose de faire une minute de silence. On a ras-le-bol de nos conditions de travail, on a ras-le-bol des camarades. Maintenant, nous allons être reçus en délégation par l'ARS. Tout le monde a compris que les milliards d'euros qui sont demandés d'économie, qui sont demandés à la santé, c'est plus possible, c'est plus possible. On a besoin d'embauches et non pas de suppression d'emplois. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on ait les conditions de travail soit amélioré et qu'on ait des moyens pour pouvoir mieux assurer la santé de tous. C'est très difficile de travailler à flux tendu, on ne pose pas nos RTT, nos vacances, ça devient très très compliqué de travailler au sein de l'hôpital public aujourd'hui. On n'est pas du tout entendu, on espère que ça va faire bouger les choses d'être ici. De plus en plus de temps dans les urgences avant de trouver quelqu'un et d'être pris en charge. Et ce n'est pas la faute des soignants, c'est la faute de l'État qui ne met pas les moyens où il faut. Voilà, c'est pour ça que nous sommes ici, pour défendre notre métier et la santé de la population.